Charles, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots comment fonctionne Bodyguard et à quoi ça sert? Alors Bodyguard, c'est une application gratuite qui est disponible sur Android et iPhone et qui aide à protéger les youtubeurs et les utilisateurs Twitter du cyberharcèlement. Très rapidement, ils se connectent sur l'application, les commentaires sont analysés toutes les minutes, ils sont analysés par une intelligence artificielle qui prend la décision de les supprimer si ces derniers sont haineux. Donc on a 10 000 utilisateurs, on analyse plus d'1,5 million de contenus chaque jour. Comment t'es venue l'idée de créer Bodyguard? Il faut savoir que le cyberharcèlement, c'est 60 suicides par an, c'est des dégâts moraux destructeurs pour l'enfant et pour la famille, donc je me suis dit, à l'âge de 20 ans, il faut faire quelque chose, pourquoi personne n'a rien fait? Donc je me suis lancé le défi de créer une technologie. Comment est-ce que OVH t'accompagne et t'aide pour développer ta plateforme? Alors, j'ai mes serveurs dédiés chez OVH. J'ai également une cloud database chez OVH, donc une base de données sur le cloud qui m'aide à gérer énormément les sauvegardes et compagnie. Tout est automatisé, c'est super. J'utilise également une nouvelle plateforme chez OVH qui s'appelle Prescience, qui m'aide à générer des modèles de prédiction qui me permettent de dire si oui ou non l'auteur du commentaire et l'auteur de la vidéo sont amis ou pas, ce qui permet à Bodyguard de justement savoir si c'est vraiment un commentaire haineux ou c'est juste une blague entre deux potes. Ça peut même détecter l'ironie. Exactement, ça détecte l'ironie, l'humour, et c'est pour ça qu'on a 90% des contenus haineux qui sont supprimés par l'intelligence artificielle et on a seulement 2% d'erreurs. Et dans 5 ans, où est-ce que tu imagines Bodyguard? Ça tombe bien que vous me posiez la question. On vient d'ouvrir une plateforme qui ouvre Bodyguard aux développeurs, c'est-à-dire que sur developers.bodyguard.ai, les développeurs peuvent se connecter, utiliser nos technologies pour protéger leur plateforme. Donc là, actuellement, ça fonctionne uniquement en français. Moi, dans 5 ans, je me vois avec Bodyguard qui, justement, fonctionne avec plusieurs langues et qui ouvre la technologie aux entreprises pour qu'elles puissent protéger leur plateforme, leurs utilisateurs et surtout leurs employés. Pour protéger un maximum de gens. Pour protéger un maximum de gens, c'est une technologie qui coûte beaucoup d'argent à développer avec les législations qui vont arriver, avec les dégâts du cyberharcèlement qui vont être de plus en plus importants. Ce genre de technologie, ça va être primordial au sein des entreprises. Malheureusement, il n'y a personne qui propose ça, donc nous, on veut être l'acteur majeur qui propose ça de manière très abordable aux petites, moyennes et grosses entreprises qui protègent vraiment tout ce qui se passe dans leurs entreprises et qui est enfin plus cyberharcèlement. Merci beaucoup Charles, merci et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup.